toi et moi, on va y arriver, on va y aller ensemble. Voilà, petit message d'encouragement, petit... Eh ben, il a fait plaisir, non ? Témoignage, testament. Alors, pour moi, comment ça, testament ? Quoi ? Testament. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli ! Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chien ! Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin drelin, c'est prêt. Oli ! Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la new caf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Ice Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois mais... La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Oli, vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des trois gammes de boissons Oli. Comme celui à la figue de Barbarie, mon préféré de la gamme énergie. Ou le pomme thé vert de la gamme Ice Tea. Ou encore le fraise kiwi de la gamme hydratation. Oli, quoi qu'il arrive, vous avez 5€ de réduction sur votre première commande avec le code RORO5. Et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables. Lien et informations dans la description et en commentaire épinglé. Oli ! Merci à notre sponsor pour l'argent et bonne rediffusion. Qui estime qu'il ou elle a raté sa vie actuellement là ? Je vais faire un sondage. Avez-vous raté votre vie ? Oui, non ou impossible ? Si selon vous, et ça va rejoindre après ma vision du truc, si selon vous c'est impossible. C'est impossible de rater sa vie en fait. Une majorité d'oui. Après, on est entre personnes qui se faisaient choisir en dernier au cours de sport, tu vois. Donc 40%, 35% non et 24% qui disent quand même que impossible. Moi en fait, j'ai un peu aussi cet avis là de est-ce que c'est vraiment possible de rater sa vie. Et comment est-ce qu'on détermine ça? Comment est-ce qu'on détermine si on a raté sa vie ou pas? Est-ce que c'est selon soi-même? Genre, ah, j'avais visé de faire ça et maintenant c'est sûr, c'est trop tard, du coup j'ai raté ma vie. Est-ce que c'est selon des standards qui sont là et qui du coup ont tendance à nous faire nous dire qu'on aurait raté quelque chose? Est-ce qu'en fait, du moment où même si on fait rien d'important et qu'en fait on est content et qu'on passe du bon temps, c'est pas déjà réussir sa vie? Eh bien écoutez, pour discuter de tout ça, j'ai tout simplement taper « j'ai raté ma vie » dans YouTube pour trouver des gens qui estiment avoir raté leur vie. On va essayer de se faire un avis. Moi, je veux, mon objectif, c'est qu'à la fin de ce thème, on ait pu se dire « non mais vous voyez, en fait, tout le monde ici a réussi sa vie ». Sachez que toutes les vidéos que j'ai trouvées du sujet, ce sont des gens en fin de vingtaine. 27 ans, 28 ans, et on commence par le premier, et on l'a déjà vu. C'est un retour. Vous vous souvenez de lui? C'est le gars qui était Sigma. Regardez-le, vous vous rappelez de lui, je suis sûr. Salut mon Audi. Tu sais, mon G, j'ai 27 ans. Au moment où tu regardes... Vous vous souvenez du Sigma ? Cette vidéo, c'est la dernière fois que je suis dans mon appartement. Ouais. Parce que je vais devoir le rendre. Tu vois, j'arrive à la fin du bail. Et je vais me retrouver chez mes parents. Un homme à 27 ans. J'avais une situation stable. J'étais professeur des écoles. J'ai démissionné. Ma copine m'a laissé tomber. Pour moi... Ah, ça explique peut-être... Ça a été un échec terrible. Sa phase Sigma. Et je prends ma responsabilité puisque je suis un homme. Donc tous les matins, j'ai dû me battre juste pour me lever de mon lit, pour trouver la force de continuer à faire mes vidéos. Ça, on connaît, hein, ça par contre, ça. Demain, ça fera 4 mois que je me suis lancé sur YouTube. J'arrive bientôt à la moitié de mon objectif qui était à la base 1000 abonnés. 1000 autres. La moitié, donc au moment où il fait ça, la vidéo a été faite il y a 2 ans, mais aujourd'hui, il en a 3000 aidés. Il a réussi. Il a réussi. C'est bon, il a fait 3 fois son objectif. Cette vidéo, je la fais pour vous remercier, pour vous dire à quel point je vous aime et votre soutien est tellement précieux. Bravo à lui. Chaque fois que j'ai un commentaire qui me donne du baume au cœur, qui me donne la force, ça permet de continuer quelques jours de plus. Là, je suis en mode survie, mon G. Ouais. Clairement, je te le dis, j'ai 27 ans et j'ai raté ma vie. Mais pourquoi ? Pourquoi tu dis ça ? La société, actuellement, je suis... Aux yeux de la société ? Un loser, un perdant, quelqu'un qui n'a pas de situation, quelqu'un... Ouais, mais il va retomber. Je sens qu'il va retomber sur... Et donc, arrêtez d'écouter. Arrêtez des... C'est chiant parce que j'ai envie que ce soit ma conclusion aussi, mais si on voit des gens dire ça, après, si je dis pareil, ça sonnera ridicule. Il ne sait pas où il va. Tous les jours, j'ai plein de doutes. Je suis complètement perdu actuellement, mon G. Et cette vidéo, elle est pour toi, si tu poursuis ton rêve. Je suis perdu, mon G. Si tu te sens comme moi, perdu, si actuellement, tu te dis que... T'es pas au même point que... Soyez à contre-courant, ouais, il va peut-être aller là-dessus. On a choisi la bonne voie. Moi, je suis très serein. Très, très serein concernant mon avenir. Et je dis pas ça en mode comme si je voyais ce qui allait se passer, mais je me suis toujours posé la même question. Quand j'ai commencé un travail, c'est pas le salaire. L'argent, pour moi, c'est pas le plus important. Ah ouais, ouais. Les avantages qui sont liés au job, non.
quel type de personne je vais devenir si je continue comme ça. Un sigma. Je serai dans 5 ans, dans 10 ans. Et quand je me suis posé cette question en me lançant sur YouTube, je me suis dit, je vais accomplir mon destin. Je vais devenir quelqu'un capable de s'exprimer. La légende personnelle, comme on a vu avec le gars qui lisait des livres jeudi dernier, c'est ça, hein ? Écrire sa légende du livre L'Alchimiste. Caméra, je suis quelqu'un de très introverti, j'ai zéro contact, tu le sais, ou peut-être pas, si t'es nouveau, c'est une nouvelle bienvenue, je m'appelle Benji. Voilà, j'ai aucun... Benji contact, pratiquement. Benji, mon G. Quelqu'un d'assez réservé, et pourtant je me lance sur YouTube. Et je vais te montrer, mon G, ce que c'est quelqu'un qui vit vraiment ses rêves. Je vais te montrer ce que c'est quelqu'un qui parle tout en bas, qui a des génial. Hyper difficile. Il parle un peu vite pour mettre du 1.25. Merci, Little Roisin pour le Prime. Et pendant 5 ans, même plus, à partir en enfer. Quand je me suis lancé sur YouTube, je me suis pas dit « Benji, tu vas t'amuser, etc. pour voir, pour tester. » Non, je me suis dit « Tu prends ça comme un business. Une vidéo par jour. » Ça fait 4 mois, je balance une vidéo par jour, même plus. Ouais, c'est... Wow. Ok, wow. Plus, je suis à plus de 140 vidéos. J'ai jamais lâché. Je suis fier de moi, malgré tout ce qui s'est passé. En vrai, fort, hein. Une vidéo par jour, c'est une belle décision. C'est une résolution. C'est une résolution qui met un cadre dans la vie. Voilà. Là, il a l'air d'avoir passé. En vrai, j'ai de l'empathie pour le truc. Il a l'air d'avoir une période difficile. Il considère qu'il a raté sa vie. Bon, il rend l'appart, il retourne chez les parents. Et pourquoi ça serait des critères? C'est quoi vos critères? Ah putain, c'est ça, voilà. Parce que vous avez dit oui, j'ai raté ma vie, Roro. Tu fais un thème qui me déprime et tout. Pourquoi vous estimez que c'est raté? Passé, j'ai continué à garder la tête focalisée. Parce que vous êtes pas riche. Sur le fait qu'on progresse ensemble en esprit. Et le mot ensemble, j'y tiens beaucoup. Ce que je suis en train de faire actuellement, c'est de... Pas heureuse, d'accord. Ok, ça pour moi, c'est un argument qui s'entend. Je suis qu'une merde. Non mais voyez, là, ce que vous avez, c'est pas d'avoir raté votre vie. C'est plus de la dépression, quoi. Ça veut pas dire que la vie est ratée au sens large. T'as raté ta vie si tu meurs, c'est vrai. Alors, ça dépend. Si au moment où tu meurs, t'as tout bien aimé jusqu'à que t'es satisfait, elle est réussie. Rentrer chez ses parents, voilà. Oui, raté ma vie par rapport à moi et les choix que j'ai faits. Ok. Situation économique, sociale, pression sociétale. Donc toi, c'est plus la pression externe. Genre, tous les amis, machin, fondent une famille ou un super taf. Toi, non, machin. Il y a un peu de ça. Et alors, rentrer chez les parents. Donc ça a l'air d'être un truc de, à mon avis, effectivement, ça a l'air d'être le truc récurrent. Genre, tu démarres la vingtaine et tout, tu commences à vivre seul, t'as un truc, mais après t'as une phase un peu où ça va pas. Tu perds le taf et tout, et tu retournes vivre chez tes parents fin de vingtaine. Et tu te dis, ah merde, on revient au point de départ et tout. Et donc, ça peut générer chez des gens une impression d'avoir raté quelque chose, quoi. Impossible de rater sa vie si on est dans la Roro femme. Mais ça, de toute façon, ce sera ma conclusion. C'est que pour moi, si vous êtes là, vous l'avez déjà un peu réussi, je pense. Une vie gâchée en mode rester à rien faire et pas de sens. Le manque de sens. Donc vous associerez rater sa vie avec le fait d'être pas heureux, quoi, d'être déprimé, de dire si t'aimes pas ta vie là maintenant, tu considères que t'as raté ta vie. Alors pour moi, il y a une notion de chronologie. Même ma vie perso, je n'ai pas réalisé mes rêves, même si c'est en cours, j'ai 34 ans. Oui, vous voyez, c'est intéressant parce que moi, la notion de rater, c'est pas est-ce que j'aime ma vie, c'est est-ce que j'ai raté ma vie. Et rater, il y a un côté de presque un peu rentre dans des notions chronologiques un peu, genre ah, où est-ce que j'en suis maintenant, qu'est-ce qui semble encore possible de faire, qu'est-ce que j'avais visé de faire, est-ce que du coup machin, bon, des trucs comme ça quoi. Et puis si c'est pour moi là, en mode t'es dans la vingtaine, t'es pas heureux, pour moi ça ne veut pas dire rater sa vie, ça veut dire oui, bon bah là j'aime pas. Rater sa vie, ça veut rien dire du tout. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'il y avait le truc, le choix impossible. Parce que j'entends souvent l'expression, je voyais plein de jeunes là qui ils font leurs vidéos, ils parlent de ça. Moi j'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on estime qu'on a raté sa vie. Très pessimiste sur les possibilités futures, courage à ceux qui le ressentent comme ça. Ok, j'entends. Je pense que vers 30, tu as un coup de fatigue un peu. Avant, tu tentes des trucs, t'as balle d'énergie, et tout d'un coup, tu te rends compte que ça n'a pas forcément abouti comme tu voulais. Mais en fait, tellement rien n'est finito à 30 piges. Ok, ouais. Ouais, moi, j'ai eu un peu cette sensation-là. Mais non, moi, j'ai pas eu le côté rater ma vie. Il n'y a pas eu le côté... Mais j'ai badé fin de vingtaine et au passage à la trentaine. Et plus, maintenant, c'est une autre étape de vie, quoi. À mon avis, tout ce qui est marrant, c'est fini.
voilà, pas la notion de rater sa vie, mais plus genre, est-ce que ça sert vraiment grand-chose de la continuer? Et en fait, après, t'apprends le plaisir de la trentaine, mais ouais, tu vois, rater sa vie, je trouve que c'est très, quand même, une expression qui va être liée à un truc très carrière, quoi, qui est très travail, j'ai l'impression. Je sais pas. Et ne pas être dans les standards, ouais, tout ce qui est dans la comparaison, et si c'est par des avis extérieurs, genre, tu vois ta famille ou des proches et t'as cette impression d'être en retard, pour moi, ça, ce n'est pas à tenir en compte, je trouve. Devenir. Et là, je suis en train d'apprendre à m'exprimer devant une caméra. Compétence, mon G. C'est basé sur des injonctions sociales, mais est-ce qu'il y a du sens? Est-ce qu'il y en a est-ce que c'est que extérieur? Ce sera essentiel dans les années à venir. On t'écoute, pardon. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'actuellement, ce que je fais, c'est une perte. 27 ans, j'ai repris les études en alternance il y a 2 ans. Franchement, je m'éclate et je fais enfin quelque chose que j'aime. Rien n'est jamais perdu. Ok. Ouais, donc il y a une notion rater sa vie. On va pas se le dire avant d'arriver avant la trentaine, parce qu'on peut se dire avant, bon, encore, tout est possible. Bon, il y a des trucs qu'on se dit, c'est pas possible. Par exemple, là, je sais qu'a priori, j'irai jamais dans l'espace, quoi. Mais ça va. Perte de temps, c'est un investissement. Les robots arrivent, c'est pas pour faire la Matrix, c'est pas pour faire... Et les robots arrivent. ...du complot, mais les robots arrivent, l'intelligence artificielle va remplacer la majorité des jobs qu'on connaît actuellement. Il y a plein de jeunes, aujourd'hui, ils sont dans des études qui mènent à un mur. Parce que quand ils vont arriver dans 5 ans, le job aura disparu, remplacé par des machines. Qu'est-ce qui va compter maintenant? C'est les idées. Être capable de s'exprimer, de présenter une opinion, être capable de parler à une caméra. Tu l'as vu, Monji? Ouais, je l'ai vu. Chez soi, avec le coronavirus, ça va être la nouvelle norme. La technologie, elle va prendre sa place partout. Waouh, c'est fou, il parlait des IA. C'est vrai que c'est sorti en 2021, ça. C'est pas encore la mode des IA. Être entrepreneur, créer son propre business, c'est ça la nouvelle norme. C'est plus d'être salarié, c'est terminé, ça, Monji. Je pense qu'on est dans la bonne voie. Je pense que si tu poursuis un business, que tu veux créer quelque chose, que tu vis vraiment tes rêves, c'est le moment jamais. Ouais. Et tu peux être fier de toi, Monji. Même si les gens te disent, ah, pourquoi. Moi aussi, je suis fier de vous. Ça prend du temps, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ci. Non, les écoute pas. Écoute les critiques constructives, il y a toujours des conseils qui sont bons à prendre. C'est ça. Mais oublie pas que tu vis ta propre vie. Et à la fin, faut que tu te dises, j'ai rien à regretter. J'ai fait tout ce que j'avais envie d'accomplir. Au moins, j'ai tenté. Même si j'ai pas réussi, même si YouTube, ça marche pas pour moi, eh bien, aucun souci. Je me lancerai sur autre. Mais moi, j'ai plus eu, en fait, après 30 ans, machin, j'ai plus eu le côté, comme j'ai dit, pas rater ma vie, mais justement, ah, il n'y a plus rien de plus que je veux faire, quoi. Là, actuellement, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien que je vise. Mais ça me donne pas l'impression d'avoir raté ma vie, mais c'est vrai qu'il n'y a plus trop de trucs. Ah, ça, j'ai pas fait. Et il faudrait vraiment que je fasse, parce que si j'ai pas le temps de le faire, j'aurais raté ma vie, quoi. Genre, c'est bon là, c'est, a priori, c'est bon, c'est ok. Autre chose, j'ai développé le mindset, l'état d'esprit. Le dogo. Ouais, ok. Oui, c'est vrai. D'entrepreneur, j'ai plus peur de la critique. En fait, c'est un entraînement. Tous les jours, je me lève, je me dis maintenant, nouvelle vie. J'ai 33 ans, je possède un master et un diplôme d'ingénieur. J'ai vraiment apprécié mes années d'école et université, mais malheureusement, je suis pas du tout satisfait de mon travail actuel. Le monde de l'entreprise ne semble pas être fait pour moi. Ah oui, c'est ça. Mais oui, bon, alors voilà, d'en rater sa vie, on va se poser la question là maintenant. J'ai l'impression que souvent, la plupart de ce qu'on répondu, ok, c'est plutôt je n'aime pas ma vie maintenant, c'est chiant de travailler. Ouais. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu plein de moments sympas? Rater sa vie, c'est pas la même chose que trouver sa place. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant. Et c'est quoi trouver sa place? Tu sais, parce que on parlait d'injonction sociale juste avant, et rater sa vie, pour moi, avec en plus le regard extérieur et surtout dans le modèle dans lequel on vit, etc., bon, ça va vite être associé quand même au travail, quoi. J'ai pas encore trouvé ce que je devais faire, ce que je voulais faire, tu sais, le côté ce que je voulais faire de ma vie, quoi. Ce que je voulais faire quand je serai plus grand. Là, je suis plus grand, pas encore trouvé, il faut pas confondre rater sa vie et ne pas fructifier le capital économique de quelqu'un d'autre. Exactement, c'est ça. Rater sa vie, c'est ne pas s'écouter et se complaire sur un état qui ne convient pas sur un temps très long. Ça, c'est intéressant aussi de le voir comme ça. C'est subir, et il y a la notion sur le temps, effectivement. Si par contre, c'est pour ça que là, pour moi, avec tous les gens qu'on est là ici, j'ai du mal à imaginer qu'il y ait des gens très vieux ou proches de la mort. Du coup, pour moi, c'est pas pertinent de le dire, sauf si vous êtes méga pessimiste sur la suite, dans le sens... c'est certain que la galère sera tout le temps là, je peux entendre. Au courant de la technologie qui va arriver, mais je serais capable de m'exprimer, j'aurais la compétence pour me lancer. Il y a quand même les moments marrants. Je pourrais prendre en main l'opération.
rater sa vie, savoir plein de regrets sur son lit de mort. Ouais, ouais, voilà. Opportunité ouais. qui va se présenter. Ouais. Tu comprends l'état d'esprit, Monji ? Faut voir au-delà. Faut préparer à ce qui arrive. Donc les gens... J'aime bien la structure que ça commence à être. Rater sa vie, c'est... Et chacun a son interprétation, j'aime bien. Et si c'était la vie qui nous avait raté ? C'est penser... On te dire, c'est ridicule, t'avais un poste, t'étais bien payé, etc. C'est pas ça qui compte. J'ai pas envie d'avoir la vie de tout le monde, j'ai pas envie d'avoir une femme, un enfant, un chien, le petit jardin. Non, la vie, je la vois comme une aventure. Pour moi, les moments où je suis plus heureux, c'est quand j'ai quelque chose en tête, comme un film, que je me fais un film dans ma tête, tu vois. Il est... Ah, c'est sa légende. C'est sa légende. Quand je suis revenu de dépression, je me suis pas dit, tiens, faut que je remonte la pente, en mode, il faut que je reprenne ci, il faut que je reprenne le sport. Non, j'ai vu ça. Mais c'est en se mettant des pressions pareilles qui doit être le protagoniste de sa propre vie et de son propre univers qui va retomber en dépression, alors que s'il chillait... Comme un film de Rocky, et j'ai réussi à remonter. C'est comme ça que je vis ma vie, Monji. Et tu es libre de vivre la vie comme tu veux. Peu importe si on te fait passer pour un perdant, une perdante, etc. Alors oui, j'ai la chance d'avoir des parents qui m'accueillent. Évidemment, c'est une chance énorme. Oui, j'ai la chance d'être en France où il y a des aides. Là, je touche le RSA depuis à peu près 2 mois. Moi, j'ai toujours été très fier quand j'ai travaillé, c'est de me dire que je contribue à ça. Parce que je sais qu'il y a des jeunes qui l'utilisent pour faire des choses très positif. Il travaille dur. Moi, je travaille comme un fou. Mmh. Je passe des heures et des heures à travailler sur mon business. Le montage, l'écriture de mes livres. Je suis focalisé. Je perds pas de temps. Ma copine m'a laissé tomber. C'est une très bonne chose. J'ai fait la promesse à Dieu. Je te fais la promesse à toi. Je me suis fait la promesse à moi-même de ne jamais, plus jamais perdre de temps auprès d'une femme. Ni de l'énergie. Merde. Ça explique la vidéo sur les Sigma. C'est son incélisation. Oui, c'est marrant hein, ce que ça fait. Donc, il a foré, il a fait une dépression. Il était pas bien. Il a pas compris que c'est parce que déjà, il travaillait trop et qu'il s'isolait et qu'il était sûrement... obsédé déjà par sa vision de la réussite, et c'est ça qu'il a, je ne fais que spéculer, et Rem c'est qu'il revient avec ça en disant c'est pas grave, là je renais de mes cendres, je vais encore plus me défoncer 3 fois plus pour mes business et tout, alors que non, je crois pas. Alors c'est super là, c'est sûr que ça va pas l'aider à se sentir bien d'être en galère de thunes. Bon, le problème c'est que si là il est non mais pas de femme, pas de machin, je vais bosser à fond, bon bah il va être mal pour un autre aspect parce qu'il n'aura plus assez de lien social, quoi. Merci Time Traveler, merci beaucoup, bienvenue. C'est quoi ces business? Oh bon, on essaie plus de savoir, hein. C'est des gens, ils font, ouais, tu sais, ils font des formations, des trucs, ils font des formations, ils font des livres blancs, bon voilà. Ni rien. Focaliser sur ma réussite, focaliser sur toi, focaliser sur nos progrès. Moi tu... Moi, G voilà, parle de moi, G. Voilà ouais. Pourquoi je vais continuer jusqu'à ce que j'atteigne mon objectif des 1000 abonnés. Je vais rien lâcher. Il a réussi. Moi, je le fais aussi. C'est trop cool de savoir qu'il a réussi. Pour ma famille, pour les rendre fiers et pour leur redonner ce qu'ils m'ont toujours donné. Et je le fais aussi pour toi, Monji. Je le fais pour les... Je sais pas si sa famille va comprendre et le féliciter quand il aura 1000 abonnés, mais... Les gars, les OGs et les filles introverties qui se disent « Ah, je suis pas fait pour réussir parce que moi, je suis trop réservé. » Monji, je suis le genre de gars à 18 ans qui avait du mal à aller dans une boulangerie. Je suis le genre de gars qui passait mon temps seul au lycée à... Pourquoi une boulangerie ? Lire des livres au CDI. Je suis le genre de gars qui actuellement a développé une sorte de phobie sociale. Je pense que je suis pas le seul, mais avec le confinement, je me suis recentré sur moi, je me suis un peu isolé et j'ai du mal à retourner dans la société. Ah, ça arrivait à plein de monde. J'ai eu ça aussi. Syndrome de la cabane. Ça fait partie des épreuves. Tous les jours, il y a des choses difficiles, Monji, qui se passent. Oui, j'ai pris un grand risque. Mais pour gagner gros, faut que tu prennes des gros risques. Et si tu veux voir de quoi t'es capable. C'est vrai, il a pas dit qu'il était prof au début ? Mais il était prof des écoles. Donc c'est pas devant des gens qui donnent cours, c'est à des écoles. Faut que tu te jettes dans les flammes, tu vois. Faut que tu partes. Ça va. En mode affrontement. Moi, j'ai vu ça comme une guerre. Je me suis dit, je suis prêt, je me suis entraîné, c'est parti. 5 ans, ok, pendant 5 ans, je vais lever la tête, je vais avancer tout droit jusqu'à mon objectif, jusqu'à atteindre la vie de mes rêves et à être indépendant. D'accord, c'est en maternelle, élémentaire et tout. C'est pas, ils donnent cours à des bâtiments. Monji, et c'est que le début du premier round. Tu vas y arriver, Monji. Toi et moi, on va y arriver, on va y aller ensemble. Voilà, petit message d'encouragement, petit... Eh ben, il a fait plaisir, non ? Témoignage, testament. Alors, pour moi, comment ça, testament ? Quoi ? On va y arriver, on va y aller ensemble. Voilà, petit message d'encouragement, petit témoignage, testament. Même si je vais pas mourir, mais pour te dire que c'est le début du chemin. C'est le plus difficile, c'est le démarrage. Les premiers mois, si tu me suis depuis longtemps, tu le sais à quel point c'était compliqué. Il n'y avait pas d'abonnés, j'avais pas de commentaires, pas de retours. Ouais, ça c'est dur. Force à toi. Bon, ok, il fait un petit peu réfléchir. On a la vision de réussir sa vie versus rater sa vie, mal sigma business internet classique. Les gens qu'on regarde souvent, voilà...
et qui pour moi se font énormément de mal et contribuent à se sentir pas bien en se mettant cette énorme pression de tout le temps l'amélioration personnelle de soi, alors que bon voilà, hein. Moi je dirais pas l'inverse, c'est mon avis, parce que ça serait me mettre dans la même position d'un coach aussi, mais je pense qu'on est mieux à se trouver une situation pépère et chill quoi. Mais après ça dépend de tout à chacun, hein. Peut-être que c'est vrai qu'il y a des gens, ils ont besoin d'accomplir des choses quoi, ils ont besoin d'accomplir des choses. Moi j'adore glander. Alors qu'est-ce qu'on a ensuite? Eh bien c'est très bien, je vous montre une deuxième. Je suis une ratée, qu'on me laisse tranquille. Ça va peut-être être plus dans l'émotion là, ça avait l'air très piano. Parfois, j'ai l'impression que toute ma vie n'est qu'un échec. Mm-hmm. 28 ans, c'est trop tard pour mourir jeune, mais pas assez vieux pour penser à la mort. 28 ans, c'est mon âge, et je n'arrive toujours pas à m'y faire. 28 ans, c'est un âge où on peut commencer à se... Ah, vous inquiétez pas, après en fait on va plus bader. De dire qu'on a raté sa vie. Pour moi, regarder ça et en parler, vous devriez tous et toutes dire « Mais non, j'ai pas raté ma vie, tout va bien. » Elle va finir là-dessus, elle. Un âge où les rêves commencent à paraître de plus en plus inaccessibles. Un âge où la réalité nous fouette le visage chaque jour et nous fait faire des insomnies. Merci petite. D'être comme tu es, c'est quelqu'un de génial. Est-ce que le problème, ça serait pas le travail? Non, mais est-ce que c'est pas quand même que genre, en fait, petit, on dirait « Quand je serai grande, je serai », voilà. Est-ce que ça vient pas de là le problème? Quand je serai grande, je serai, et donc on sera, et on doit avoir ce truc-là machin qui après est déprimant, parce qu'en fait au final, bien sûr, la majorité, on a un boulot alimentaire un peu chiant quoi. En pensant à ce que je serai une fois... Mais le travail, c'est le problème, et c'est juste parce qu'il prend autant d'heures, et on revient à notre thématique qu'on avait fait sur le bonheur au travail quoi. C'est parce que ça prend tellement d'heures sur la semaine que du coup, c'est par là qu'on doit s'épanouir, et c'est ça qui doit oui dire ou non qu'on a réussi ou raté. Alors qu'en vrai, si ça prenait moins de temps et puis que tu te fais plaisir, que tu fais des trucs cool à côté, tu dois pas estimer que ta vie est ratée, même si ton taf il est chiant quoi. Adulte, je m'imaginais des tas de choses. Devenir aventurière, poète, ou bien mille autres choses encore. Ouais bon. Mais certainement pas à pleurer dans ma chambre dans le noir. Poète, y a pas beaucoup de débouchés. Parce que j'ai le sentiment que toute ma vie n'est qu'une succession d'échecs. Papa, maman, Nana et tous les autres, je suis sincèrement désolée. Je sais que vous aviez de grands espoirs pour moi, mais je n'y arrive tout simplement pas. À la fin, elle devient une Sigma, hein, comme le gars juste avant. J'ai 28 ans, un bac plus 4, je parle 3 langues, j'ai vécu dans 3 pays différents, un CV à n'en plus finir. J'ai plein de cordes à mon arc pour réussir dans la vie, comme vous me le dites souvent. Mmh. Mais ça ne sert à rien du tout. Je suis obligée de travailler dans un fast-food pour payer mes factures. Aïe, aïe. Ce job, c'est un ami qui me l'a offert. Et je l'en remercie, car sans ça... Je ne saurais vraiment pas comment me sortir de cette situation. Et ça me tue de l'admettre, mais chaque fois qu'on me demande ce que je fais dans la vie, et que je réponds que... Oula ! Tu travailles dans un McDo et tu mets des t-shirts KFC ? Je travaille au KFC. Je ne peux m'empêcher de sentir une douleur dans la poitrine, tant je suis déçue de moi-même. Tout ça pour ça. Ah mais c'est dommage quand même, du coup déçue de soi-même parce qu'elle n'a pas un boulot cool. Mais ça devrait être parce que le boulot est chiant et que c'est pénible d'y aller tous les jours et tout, et pas parce qu'on veut un meilleur boulot, parce que du coup on serait fier de ce taf-là quoi. Non, moi j'ai quand même la perception de si t'arrives à trouver un petit boulot peinard qui est pas trop fatigant, que tu gagnes juste ce qu'il faut et tout, mais que c'est pas le truc que t'es fier, pour moi c'est réussir sa vie. Je sais pas, alors qu'un truc qui te prendrait plein de temps, que t'es haut placé, que t'as plein d'argent, machin, mais que c'est dur. Est-ce que c'est pas plus rater sa vie, ça? Je sais pas trop. Pour retrouver le même boulot que j'avais à mes 18 ans, en tant que job étudiant, pendant mes vacances d'été. Le boulot qu'on a, c'est l'image de soi pour beaucoup. Bah ouais, c'est ça. Hein. J'ai pour rêve d'acheter une maison un jour, mais pour moi, comme pour toute ma génération... Impossible. Je sais que ce jour n'arrivera probablement jamais. Eh oui, on en a parlé. Je voudrais pouvoir vivre de choses que j'aime faire et que je fais bien. Être respectée, ne pas me retrouver chaque nuit dans mon lit, à fixer le plafond et à pleurer des torrents de larmes, à me demander ce que je fais là. Oh, tu déprimes tout le monde là, tu crois que c'est... J'ai 28 ans, j'essaie je ne sais toujours pas quoi faire de ma vie pour la gagner. Tous les éclats de mes rêves brisés me lacèrent le cœur. Je ne peux pas consulter un site d'offre d'emploi sans avoir envie de tout casser. Putain, c'est vrai ça, putain, mais qu'est-ce que j'ai de la chance de faire le streaming quand même. Imaginez, qu'est-ce que je vais faire quand je ne vais plus faire le streaming moi maintenant? Merde, je suis en train d'y penser. C'est lamentable. Et puis, j'ai beau essayer d'être bienveillante, compréhensive, d'aimer sincèrement les gens, de ne pas les juger et de les pardonner. Finalement, arrive toujours un moment où je sature des insultes qu'on me lance, du respect qu'on me
me manque, des méchancetés que je vois pourrir partout où je vais, et je finis par me terrer dans ma chambre à imaginer que je brûle l'humanité tout entière. Ah non, mais il faut pas se préoccuper des autres problèmes du monde, en plus si t'as cette vie-là, mais non, mais c'est pour ça. J'en ai assez de pleurer, j'en ai assez d'être en colère, j'en ai assez de vouloir tout détruire pour pouvoir apaiser cette rage qui déferle en moi. J'en ai assez de ne jamais me sentir assez bien pour ce monde. Je ne veux même plus être heureuse. Je voudrais simplement être en paix, qu'on me laisse tranquille. Qu'on me laisse écrire mes textes, dessiner, faire mes collages, mes vidéos, qu'on me laisse dans le calme, sans tous ces bruits parasites autour de moi. Sans mes voisins qui hurlent sans cesse. Sans ces gens qui me poussent dans le bus. J'attendais le meilleur moment, elle a dit le mot paix. Ou dans les magasins. Sans ces enfants qui me braillent dans les oreilles chaque fois que je vais à la bibliothèque ou dans un parc. Sans ces voisins. C'est les gens qu'on demandait. Sans ce monde qui va trop vite et qui n'accepte pas qu'on ait besoin, parfois, de reprendre sa respiration. Je voudrais juste vivre tranquillement quelque part, dans un endroit calme et silencieux, sans faire de mal à personne, avec juste mon doudou et mes pinceaux. Oh wow, c'est très réel hein, ce qu'elle dit. C'est pourtant un rêve simple. Donc vous voyez, quand elle dit la notion, elle, de rater sa vie, bon bah c'est plus une vision, c'est intéressant, parce que l'autre gars juste avant, il y avait un côté, non, il faut que j'accomplisse des trucs, faut que machin, faut que je m'élève socialement, faut que je réussisse dans la société, faut que je sois le meilleur, machin. Elle, elle dit, mais j'aimerais juste être tranquille en fait, qu'on m'oblige pas à devoir faire plein de trucs et tout, et juste que je puisse être dans mon coin, avec juste ce qu'il faut, et je fais des petit dessin. Alors pourquoi même ce... Ça, c'est plus réel. Celui-ci me semble impossible à réaliser. Je n'en peux plus. S'il vous plaît. Je voudrais juste arrêter de... Ah, c'était il y a 3 semaines. Je... Pleurer. À mon avis, elle a toujours le même souci. Les baleines. Bon, on lui envoie du soutien. On lui envoie énormément de soutien. Ok, ça commence à... Ça creuse un peu plus, du coup, ce qui serait réussir, ce qui serait raté. On passe à la troisième et on fera un bilan de tout ça. Selon la société, j'ai raté ma vie. Oh, il est belge. Je vis toujours chez ma petite maman, j'ai pas de CDI, je suis pas fiancé et je suis toujours... Selon la société, j'ai raté ma vie, ok. Et donc là, il va plutôt lui partir sur le truc de... de l'extérieur, il y a ça, mais est-ce qu'en fait, il faut s'en soucier? Parce que les arguments qui dit... Oh, les amours, le boulot, toujours chez ta mère... C'est souvent ces trucs-là qui reviennent. On parlait d'injonction tout à l'heure. Moi, j'entends, comme la meuf juste avant, elle a dit le côté « Ah, c'est chiant que tu dois faire tous ces trucs ». C'est plus le côté « Ah ouais, c'est chiant de devoir aller travailler et tout ». Mais en vrai, ça déprime et ça fait que voilà. Et c'est vrai que tu peux avoir le sentiment que ta vie est ratée si tu te dis « Ah ben, cette situation d'avoir un taf chiant et d'accomplir rien du tout des trucs que je veux au minimum, comme une maison ou je ne sais pas quoi, comme elle a dit là. Bon, bah, si tu dis ou que tu sais déjà que tu les atteindras pas, que c'est mort, je peux comprendre la sensation. Maintenant, quand c'est ces trucs-là, par contre, le taf, parlons du taf. Tant que tu survis financièrement, c'est ok, quoi, que ce soit par un taf ou des aides de je sais pas quoi, mais bon, le boulot prestigieux, pas vrai argument. Alors, les amours, j'ai jamais compris en quoi c'était un truc. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont besoin, je pense, qui estiment peut-être que la réussite, leur équilibre de vie, c'est dans cet accomplissement-là, peut-être, je ne sais pas. Je comprends cette image, la pression sociale des proches quand tu fais rien, je la connais beaucoup. Ouais, c'est intéressant. Moi, j'ai jamais eu ça, moi, j'ai jamais eu de pression extérieure sur, je sais pas, n'importe quel choix de ma vie. Donc, c'est vrai que je connais pas. Le couple, c'est un statut social. Ok. C'est quand même plus sympa à deux ou plus. Oui, ça va, je trouve, mais pas forcément une question de prestige, rien que ne plus être au chômage ou précaire, en vrai. Oui, c'est vrai que peut-être pour les parents, pour les trucs, oui, si t'es au chômage, associé à de la glande, et donc, en fait, après, au moins que t'aies un taf, même si, en fait, c'est pas prestigieux, mais juste au moins, tu fais quelque chose de tes journées. Un mec célib de 30 ans est perçu comme un loser, c'est un fait. Ah ouais ? Une pression sociale quand tu me chômes dû à 30 piges ? Ok. Alors, c'est quoi ? Mais c'est plus de la famille, non ? La peur de finir vieille fille. Ah ouais, ça va plus toucher les femmes, le côté couple, alors peut-être. Ouais, peut-être. Et vivre chez ses parents, par contre, je vois pas pourquoi c'est un argument de rater sa vie. Moi, c'est juste que, ouais, je détesterais. Moi, c'est vrai que du moment où j'ai pu partir de là, et c'était jour 1 où j'ai pu avoir un revenu, quoi, c'était vraiment... voilà, mais la condition est pas pareille, parce que j'ai pas des bons rapports avec ma famille. Mais donc, dès que j'ai pu partir, je suis parti. Et si j'y et c'est juste que je pourrais... Même si là, j'ai rien, je peux pas y retourner, de toute façon. Mais du coup, je sais pas me mettre dans la situation de quelqu'un qui y retourne. Mais si tu t'entends bien avec ta famille, après, je peux comprendre l'aspect retour en arrière, un petit peu comme régresser et tout. Genre, t'as pas le choix, et donc tu fais un nouveau départ.
départ comme ça, je peux comprendre l'idée, ouais. Les gens qui disent avoir raté, c'est souvent pour pas avoir réussi des objectifs un peu génériques. Alors qu'il faut peut-être juste changer d'objectif et se rendre compte que t'en as réussi plein. Waouh, et toi t'es trop coach quoi. En tout cas moi ça m'a aidé à une époque en mettant des trucs moins abstraits et très court terme. Oui, moi quand j'ai vraiment... en fait il y a une phase de trentaine qui était ah ouais donc maintenant c'est sûr je pourrais plus accomplir machin, la vingtaine c'est fini machin. Et à l'inverse ça m'a libéré d'un truc de ah maintenant je n'ai plus aucune ambition, plus aucune, aucun objectif de vie et donc tout est ok comme ça. Je pense que depuis que je suis dans mon début de trentaine je vis avec le fait de oui si là je dois mourir c'est ok et puis là c'est du bonus quoi, ça continue, je fais en sorte que mes journées soient le moins chiant possible, moins pénible possible, le moins d'obligations quoi, le moins de trucs que je suis forcé de faire, voilà c'est ça. Et puis moi il y a des trucs que je suis forcé de faire, plus les journées sont agréables et puis voilà quoi, puis on attend, puis un jour il y a la mort quoi. Là je sais pas, c'est vrai que t'as pas à chercher là les achievements, ouais peut-être qu'il faut mettre ces achievements plus bas quoi. C'est vrai que si t'es parti avec parce que peut-être t'as grandi et qu'il y avait une pression familiale de faire une grande carrière dans je sais pas quoi, mais après du coup il faut déconstruire le travail, l'importance de ces choses-là et tout. Je me reconnais trop dans le mode depuis mes 30 ans, si demain c'est finito, ben tant pis. Bah ouais, c'est ça, parce que dans ma vingtaine, j'étais juste très projet, carrière, enfin pas carrière, mais le côté projet, faut que je crée des trucs, mais pareil, c'était pas dans une ambition de faire des grandes choses, c'était pour échapper à tout prix au travail classique, tellement j'ai trop la flemme de faire ça. Mais après, du coup, j'ai perdu 10 ans à trop travailler sur trop de trucs pour éviter d'avoir un travail chiant qui au final m'aurait sûrement fait moins travailler, donc 10 ans vraiment gaspillés, et c'est depuis que je m'en fous que j'ai moins l'impression de rater ma vie, parce que maintenant vraiment osef quoi, et à chaque fois dans les pires situations je fais au pire je meurs, donc c'est vrai que c'est très relaxant de... Mais bon ouais, j'ai un luxe qui fait que je dois pas tous les jours aller... En fait tout est basé là-dessus hein. Est-ce que t'as un travail juste pas ouf mais c'est supportable, ou alors est-ce que c'est horrible et que tous les jours c'est une horreur de se lever tellement c'est horrible d'aller au taf, enfin c'est que ça quoi. Et puis si jamais le taf ça va plus ou moins, bah, c'est bon non? Ce matin le réveil était compliqué, à vrai dire c'est souvent... Ah, c'est très relaxant au pire je meurs. Parce que je suis à nouveau confronté à cette réalité. Ma vie ne sera finalement pas ce chemin tout tracé sans embûches que j'avais espéré. Une partie de moi est reconnaissante parce que j'ai enfin arrêté de vivre en pilote automatique. Mais je peux pas m'empêcher de me dire que je suis en retard. C'est la pression extérieure qui est dure. Étant autiste, j'ai un quotidien qui ne correspond pas à la norme. J'ai toujours peur de croiser quelqu'un que je connais qui demande « Alors, tu fais quoi dans la vie ?» Et donc, c'est pas des pressions extérieures vraiment fortes comme les parents qui vous les mettent, etc. C'est vraiment juste le regard, quoi. Enfin, c'est les pressions extérieures en mode... Si quelqu'un me demande des news et que je dis ça, je vais avoir honte de répondre ça et tout. Peut-être aussi c'est à cause que je suis trop retiré de la vie sociale. Mais c'est vrai que j'ai jamais été préoccupé par ce que pensaient les gens que je connais de ma vie en fait. Peut-être que quand t'es intégré socialement et que t'as des amis proches, une famille et des trucs comme ça, tu te dis bon, l'image que je transmets à ces personnes m'inquiète, enfin me préoccupe, et donc il faut du coup que ça soit digne de ce que je vais raconter, etc. machin. Peut-être qu'il y a pas mal de ça, mais c'est quand même con. C'est quand même con, non, de s'embarrasser de ça. Je sais pas. Après, moi, je suis un Sigma, voilà. Pareil, c'est une grosse angoisse quand on me demande tu fais quoi dans la vie pour apprendre à me connaître, genre. Ah ouais ? Ouais, moi j'aime pas non plus, mais parce que c'est chiant à répondre. En vrai, le nombre de compliments que mes proches me font depuis que j'ai un taf régulier et dans ma passion, j'ai erré longtemps avant d'arriver là, la différence est flagrante. Ah ouais. Putain, je viens de comprendre pourquoi c'est un thème que j'ai mis et que je comprends pas la notion de rater sa vie. Parce qu'en fait, c'est en fonction des autres, c'est ça. Et de nouveau, en fait, ce thème qui, au demeurant, m'était là pour dédramatiser, me fait un nouveau dramatisé de merde. Je connecte pas assez avec les autres humains. Parce que si j'avais des vrais amis, je me poserais la question est-ce que j'ai réussi ou pas ma vie. J'essayais de faire... Là, c'est parce qu'il n'y a pas de témoins. Il n'existe qu'un timing, qu'une façon unique d'expérimenter la vie. Mon cœur comprend, mais mon mental, un peu moins. Ouais. J'ai l'impression d'être dans un combat perpétuel contre certaines parties de moi-même. Je voulais te souhaiter un bon anniversaire, mon grand, et te souhaiter une belle journée. On se voit de toute façon tantôt. Et voilà, on se voit tantôt. Je te fais plein, plein, plein de bisous. Et j'espère que ta journée sera remplie de petits moments de bonheur. Bisous mon cœur, tantôt. Aujourd'hui, j'ai 28 ans et... Tantôt ! Je t'avoue que j'ai beaucoup appréhendé ce moment.
d'un côté. Ce qui me saoule par contre, c'est quand les autres me disent que je vais regretter de ne pas avoir eu des enfants, comme si leur vision d'une vie réussie devait être la mienne. Non mais là, voilà, on revient aux injonctions, on revient au truc des injonctions. Et puis tu peux avoir des a priori aussi. Après moi je me force avec les années, plus ça passe, plus je me dis bah chacun trouve son chemin, etc. Alors que moi, je sais que j'ai des biais énormes là-dessus sur le sujet que tu viens de dire. Moi c'est vrai que je considère que, de toute façon je veux dire une phrase assez forte, mais du coup c'est pas un vrai avis que je veux clamer. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est rater sa vie d'avoir des enfants. Moi, je trouve que c'est l'inverse, justement. Et j'essaye de... Parce que je me dis, bah non, chacun a son... Mais moi, je considère que ça serait rater la mienne, quoi. C'est ça que je veux dire. Je prends conscience du... C'est les réflexions que subissent toutes les femmes à partir de 30 ans. Ouais, c'est ça, il y a le côté... C'est vrai que c'est plus dur pour les femmes aussi, hein, le jugement comme ça. Mais c'est vrai que moi, personne ne m'a jamais dit rien, quoi. Mais peut-être que je ne mens pas. Je suis en train de comprendre plein de trucs sur le statut, en fait, ce que tu transmets socialement aux autres, à quel point j'y fais pas assez attention. Je pense vraiment que si on doit faire une conclusion là-dessus, aidez-moi, vous me dites si vous êtes OK avec ça. Rater sa vie, ça ne doit pas être suivant des injonctions extérieures, mais selon la perception qu'on peut en avoir. Et si la perception qu'on en a, en fait, se dire ça dans la vingtaine, ça n'a aucun sens, parce que t'as encore largement le temps de faire plein de choses. Sinon, tu peux baisser tes standards, mais il ne faut pas confondre rater sa vie et ne pas aimer sa vie, qui est en fait être malheureux et être probablement peut-être en dépression ou autre. Et donc, en fait, soignez-vous. Il est vrai, non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, cette impression de j'ai raté ma vie là maintenant, du coup, il y a comme un truc de fatalité. Et c'est là qu'on rentre dans une espèce de truc ultra pessimiste, de fatalité, de c'est pour toujours. Du coup, rien ne vaut la peine d'être vécu, etc. Alors qu'en vrai, si, moi, il y a 2 ans, non, c'était quand que j'avais arrêté. Oui, c'est ça, il y a 2 ans, plus ou moins, je voulais trop mourir de fou. Et en fait, déjà, ce qui s'est passé sur les 2 ans, après, je me dis, ah oui, non, c'était coolos, en vrai, c'est pas mal, je suis bien content d'avoir fait ces trucs-là, quoi. Bon, pourquoi pas, en fait. Tu peux pas juger la vie sur une phase de down, c'est ça. Bon, pour moi, personne ici n'a raté sa vie. Putain, ce que ça m'aurait quand même appris, c'est qu'en fait, la notion de rater sa vie, la notion de rater et donc d'échouer, et que ça a l'air de tenir sur beaucoup de la comparaison et de la preuve vers autrui, ce qui est un comportement normal, hein, j'irai pas vous dire, tu sais, comme ils disent les coachs, machin, vous ne préoccupez pas de la vie des autres, etc. Parce que, enfin, on vit en société, et voilà. Mais j'avais pas autant réalisé que c'était lié, au-delà des remarques extérieures, à même ce qu'on veut transmettre à la personne qu'on est, à la place qu'on a, vu qu'en effet, la grande majorité des gens se définit pas mal selon ce qu'il est par rapport à sa place dans son cercle d'amis, dans sa famille, enfin, suivant les autres gens. Moi, je suis juste le papa de Fluffy. Donc, c'est vrai que je me définis pas autrement, quoi.